toute manœuvre antidémocratique condamnée déjà par l'électorat. Et de l'autre terrain, nous marchons dans la ruelle, dans tous les grands chemins, et nous condamnons avec force de ce régime. Parce que pas capable de continuer avec une politique de dérive. Non, je réponds très bien clairement. Je suis clair. Je ne suis pas un issue du tout. Mon camarade peut faire ce travail, je dis beauté et panache. Quand le moment pour venir, mon camarade dit qu'il y a une décision là aussi pour être. Ok? Quand il peut faire bien, il peut faire très bien. Il y a tout le soutien, bien sûr, la décision va être prise collectivement avec tous les autres parlementaires. Il parle des choses, dit tout ça. Vous t'écoutez, mademoiselle, avec tout le respect, vous t'écoutez hier qui le leader dit. Vous l'écoutez hier, mademoiselle, vous pouvez faire l'écho de ce qu'il dit. Et c'est un sentiment partagé par tous les membres du Parti Travail. Le MMM fait une pique en crise, fait en colère, parce que hier soir, nous fîmes décider pour mettre online une conversation que Saoukat Soudan s'est finie avec Daoud Lawan. À l'époque, quand il y a l'alliance qu'ils appellent le remake. Mais ce qui me demande l'électorat et la nation réalisée, c'est qu'aujourd'hui, le MMM se dit être dans l'opposition à part entière. Le MMM dit qu'il est contre le deal Papa Piti, il est contre le fait que Pravin Jagnat finisse vine Premier ministre sans qu'il informe la population parce que ça tient une affaire secrète. Il est contre. Et dans sa recording-là, Saoukat Soudan vient dire que même à l'époque du remake, s'il finit tombe d'accord qu'il Anirou Jagnat partit pour reste Premier ministre pour plus qu'il des ans et ce serait Pravin Jagnat qui tu pouvais une Premier ministre. Même à l'époque du remake avec Paul Béranger et que ça aurait été Lee Kong-win qui tu pouvais une ministre finance. À l'époque, tu finis accepter dit le papa Piti. Mais même jamais pas fini à nous. Le Parti Travail nous salue qui quand même finit une campagne relativement calme dans le respect de la BSR par rapport à certains partis politiques, sauf bien sûr à Roshi Badin qui fin verse dans diffamation, dans allégation, dans être la boue. Mais dans l'ensemble, nous satisfait que la campagne fin passe d'une façon calme, même si le gouvernement, nous bien précise-le, à travers Dedimoun, principalement, Prakash Mantoa et Binod Bacha, permet une campagne à Belle Rose, Quatre Bonnes, en faveur MMM. Je peux dire, avec nos candidats ici, nous relativement confiants d'une victoire de Ravine Boulel, d'une victoire du Parti Travailliste.